quand il voudra. Allez, vas-y, va pêcher. Je regarde. Ah, un caillou. Creuser. N'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. Une grenouille. Et un caillou ici. Qu'est-ce que t'as chopé? Alors, on va peut-être pas en garder 6 de chaque. Hein. On va garder. Non. Ça va falloir que je les vende un par un, quoi. On va en garder 2 de chaque. Le reste, ça fera un petit peu d'argent. Voilà, pareil pour les fraises. Ce qu'il nous faut, 500 simflouz pour payer une amende pour les nuisances qu'on aurait occasionnées. N'importe quoi, on n'a occasionné aucune nuisance. Hop. Les esturgeons qui rapportent plus de 1000, ok. Encore ce bot, je dois réinstaller mon jeu. Ok, bah bon courage, hein, parce que c'est long ça. J'en étais où? Ah, j'en étais là. Ouais, 2 simflouz. Wouhou! Le début de la fortune, les amis. Avec ça, je vais être riche. Multimillionnaire, quoi. Bon, il y en a combien là, des mufliers là? Oui, je suis 2 en pêche, mais je pêche toujours rien. Eh bien. Le mieux, c'est l'archéologie. Ah ouais, mais je vais pas partir à. J'ai pas de sous pour partir à Selvadorada, quoi. Si tu veux, j'ai pas de sous. Pas de maison. J'ai pas de maison. Quoi, tu veux pas vendre? Ouh, elle coûte cher celle-là, c'est bien. Bon, 410, on y est presque. Qu'est-ce que tu pêches? Est-ce qu'on a d'autres choses qui ont popé par là? Pas du tout. Bon, déjà, on va récupérer ça. Peut-être qu'avec ce que je l'ai envoyé récupérer, on aura 500. Oui, après les Sims, souvent, voilà, tu galères un petit peu au début, mais après, quand tu commences à avoir de l'argent, ça vient. Ça vient large. Il faudrait que je me trouve un terrain où il y a des chevalets. Alors, je crois qu'il y a un lot à Sanmaishuno avec des chevalets. Ça peut être pas mal. Ah, voilà, il y a 1 heure à pêcher et les poissons, ils sont plus intelligents que toi. Bravo, bravo. Oui, à Sanmaishuno, la galerie d'art, voilà, c'est ça. C'est à ça que je pensais. Alors, à Windenburg, je sais qu'il y en a, mais je sais pas où. Alors, si t'as le tuyau, je prends, mais 2 têtes comme ça, je sais pas où c'est. Alors, que vas-tu trouver? Un poisson, voilà. Donc, en fait, on a pêché tout à l'heure, on n'a rien récupéré. Il fouille la terre, il sort un poisson. C'est normal, équivaut que dalle en plus. 5 simflouz. Ça valait le coup. Quartier à droite sur la place. On ira voir ça après alors. Sinon, je vais aller au quartier des arts. Hein. C'est pas. Ça permettra de voir d'autres décors un peu que. Vas-y, tranquille, hein, prends ton rythme. Hein. Bon, après, tu iras dormir. Hein. Alors. Ah oui, c'est. Bah, parce que normalement, je ne peux acheter que des choses que je peux transporter. Alors, je sais que maintenant le chevalet est transportable, mais à l'époque où les règles sont sorties, le chevalet n'était pas transportable. Donc, je considère que j'ai pas vraiment le droit de m'en acheter un. Puisque, voilà, je suis censée, je ne peux acheter que des choses qui sont transportables tant que j'ai pas 4 murs et un toit à mettre. Voilà. Alors, c'est pas tant pour l'argent, parce que je pense que c'est vite rentabilisé, mais. Mais c'est plus pour le côté, j'aurais l'impression d'enfreindre les règles en fait.
Ouais. Hey, on y est presque. Bah oui, mais transportable, t'en feras pas les règles. Oui, mais t'es d'accord que quand ils ont créé les règles, tu pouvais pas en acheter des tableaux, donc enfin des chevalets. Donc là, tu peux parce qu'il y a une mise à jour du jeu. Mais du coup, c'était pas prévu par les règles à la base. Alors, combien ça rapporte ça? Eh ben, j'aurais même pas les 500 pour ce soir, je crois. Mon dernier espoir, c'est ce caillou. Allez, allez. Une grosse pierre précieuse là qui vaut beaucoup de sous dans le caillou, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as eu? Ouais, super. De toute manière, il y a des chevaliers dans les musées de Willow Creek, Oasis et San Machino. Ça sert à rien d'acheter un chevalier. Ouais, bon, bah d'accord. Ok. L'app serait injouable si on devait pas utiliser. Bah t'es obligé. Normalement, t'es censé le faire sans les trucs dont tu te sers. Le challenge, il a été créé sans ces choses-là. Donc quand tu utilises ces choses-là, finalement, tu as un avantage sur les vraies règles de base. Quand même. Bah, la différence, c'est que t'es pas obligé d'aller. C'est comme j'ai pas le droit de mettre. J'ai le droit d'avoir une tente, mais j'ai pas le droit de la poser sur mon terrain. C'est pas moi qui ai fait les règles, hein. Je suis pour rien, moi. Bon, tu vas te coucher ou. Eh, vas-y, prends celui-là de banc, là, on va pas. Ouais, 20 simflouz, quoi. J'ai même pas les 500 simflouz que je dois, quoi. Oh là 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 là. C'est pas possible. Bon, allez, dors un petit peu. Dors un petit peu, puis on va aller. C'est le bordel. Toutes les barres sont jaunes ou rouges. Comment tu fais dans la peau si tu dois jouer sans le trait? Ouais, mais t'es d'accord que ça t'apporte un avantage. Puisque du coup, tu n'as plus à faire les tâches quotidiennes. Ça t'apporte un avantage. Que tu n'avais pas. Quand les règles ont été créées. Fallait pas ouvrir aussi. Ah, c'est plus cher quand tu le vends pas ouvert. Ouais, mais des fois, t'as des bons trucs. Bah oui, c'est ça. Ça simplifie quand même beaucoup le challenge, quoi. Donc. Enfin, ça simplifie beaucoup. Disons que tu gagnes du temps, quoi. Allez, dépêche, t'es emballé au musée après. 70 si c'est pas ouvert. Ah oui, mais tu peux pas l'éviter le travail sans ça, oui. Oui, c'est sûr, mais bon. Bah, t'as qu'à pas leur faire leur devoir aussi. Hein? Quelle idée. Ouais, voilà. Quelle idée. Dors encore un petit peu. Non, mais voilà, à la limite, là, ça t'arrange, enfin ça t'arrange. Ça t'arrange et t'as pas trop le choix. Là, j'ai le choix de pas le prendre ce chevalet, donc. Donc je veux pas me compliquer la vie, mais je veux pas me la faciliter trop non plus. Tu vois, je pourrais aller pêcher à Magnolia Promenade. Je me ferai un max de sous, j'ai le droit. Mais ça serait trop facile. Bon, hop, elle va aller faire pipi. On était là. Oh non, rentre pas, rentre pas. Oh, merci, un poulpe déjà pour le follow. Ah, va faire pipi ici, t'iras plus vite. Enfin, repars pas à côté, mais. Allez, dépêche-toi. Cours, Forest. Avant de te faire pipi dessus. Allez, allez, allez. Wouhou, il a réussi! Ou pas. Allez, fais pipi! Oh, ça c'est le bordel, il n'y a pas une. Oh, il n'y a pas une douche qui marche, quoi! Oui. Soit. Mais de toute façon, ça coûte cher, hein, chevalier, ils ont raison. Bah, faudrait que je prenne une douche, moi, les gars. Bah, je vais la réparer, hein. Que c'est Bagdad. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué.
Ouais, c'est ce que j'ai fait, voilà. Mais je sais pas si après il a besoin de monter encore son bricolage. Remarque, je peux le faire, ça rapporte des pièces. Et les pièces, je les vends. Vas-y, va réparer. Heureux, c'est bien. Oui, c'est bien pour le bricolage. J'ai loupé quoi? Oh bah, t'as loupé des bugs de livres. Je sais pas si t'étais encore là. T'as loupé une pêche pas franchement miraculeuse. Et t'as loupé des gens qui ont tout cassé, toutes les douches et toutes les toilettes et puis voilà. Allez. Il est où le tas? Il est là. Chercher des pièces. Hop, ça on va pouvoir les vendre. Ouais, ça y est, on a les 500. Bah, t'aurais mieux fait. Oh, bah, en fait, t'aurais mieux fait de réparer les douches au lieu de te casser la tête avec un lit. Bah oui, mais ils étaient pas cassés les douches tout à l'heure. Je pouvais pas. Normal qu'ils cassent, tu répares gratos. Ce que je peux, hein. T'as fouillé dans le tas? Bah, fouille encore dans le tas. Voilà. Eh ben, on va payer tout de suite la taxe, là. Enfin, l'amende, parce qu'on a fait des dégâts, a priori, il paraît. Donc, on va payer tout de suite l'amende. Je sais pas si j'ai activé. Non, j'ai pas activé. Ok. 20 000. 55. Non, 155. Ouh là là, on va pas se voler. Voilà, ça y est, j'ai payé ma taxe. J'ai le droit de commencer à construire ma maison. Alors, j'ai le droit, mais j'en ai pas les moyens. Donc, on va continuer à vivre. Crimounette a sauté sur son bureau et elle a dansé la Macarena. Oui, tout à fait. C'est ça. J'ai fait une Macarena d'enfer, quoi. Un truc pompé-lope, quoi. C'était de la folie. C'est dommage que t'aies loupé ça, quand même. C'était assez drôle, hein. Non, je le mettrai pas dans le replay. Je couperai. Voilà. Allez, dépêche-toi, répare ça, récupère les pièces. Et je sais pas où on va aller. On va aller manger, tiens. Il est où le tar? Il est là. Allez, vas-y, récupère les pièces. Est-ce qu'on a besoin de sous pour notre maison? Voilà. Un petit pas pour nous, un grand pas pour Olivier. Oui! Il va falloir un petit peu d'argent là parce que pour la maison, je crois que là on peut même pas construire un mur. Enfin, s'il y a un mur ou deux. Il va aller manger déjà. Il va aller manger. Bah attends, remarque, je sais pas pourquoi je pars. Je sais pas pourquoi je pars, il y a une grillade juste derrière. Et comme l'autre tout à l'heure il faisait à manger, il en reste peut-être. Non, il en reste plus, mais on va griller, hop, des saucisses. Non, non, c'est pour Olivier, c'est bon. Oh, ça va, commence pas. Commence pas. En fait, quand j'ai préparé la partie et que j'ai créé Olivier, j'ai créé des vêtements, machin, et je suis partie et je l'avais changé de nom et oh bah oui, il fait péter les écouteurs. Hein. Et le problème, c'est que je suis partie sans enregistrer. Et du coup, quand je suis revenue, il avait de nouveau ses vêtements tout propres. Et il n'avait plus le nom que je lui avais mis. Donc, enfin bref. Je raconte un peu ma vie là, mais c'est pour ça qu'il s'appelait pas le bon nom. C'est une erreur. C'est à cause de la chaleur, ça s'agrit tous les neurones que j'ai. Et déjà, j'en ai pas beaucoup, alors imaginez. T'as créé des vêtements. Toi, tu me cherches. Je te jure que tu me cherches. Mais fais attention quand même. N'oublie pas que dans quelques dizaines de jours, je pourrais me venger. Ne l'oublie pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, il a sommeil et il s'ennuie. Il peut peut-être appeler l'autre là. Non, pas Nancy. Elle, Lina. Discuter, discuter, discuter. Voilà. De toute façon, tant qu'on n'a pas de maison, elle ne voudra pas m'épouser. Donc, il va nous falloir des sous pour de la maison.
Après, tir à pêcher, hein, de toute façon. Au moins qu'on soit à 200 sims flouzes, et puis après, on va... Ah, vas-y, serre-toi. Pas de problème, mon gars. Et après, on ira peindre des tableaux, histoire de... de gagner un petit peu d'argent. J'attends que sa barre sociale remonte. Voilà. C'est bien comme ça, en plus ça fait monter notre barre amicale. Fais gaffe, on t'emmène au roller coaster. Alors, je suis pas sûre pour le roller coaster. Mais en fait, tu sais, tous ces trucs, je les ai déjà fait. Hein. Mais j'en garde pas des bons souvenirs, tu sais. Donc, est-ce qu'il peut dormir là-dessus? Non, il faut que ça se voit. Hop, tire à dormir là-bas. Non, pas faire de l'exercice. Faire une sieste et faire... Oh. Faire une sieste. Non, mais tu pouvais pêcher un peu. Oh là, c'est pas possible. Quelle jolie vue. On dirait que les poissons sont trop malins. Ah, tu m'étonnes. Je crois que tout est plus malin que les Sims au début. Oh, le magnifique bateau qui arrive. C'est bio. Bon, bah, dehors, hein. Putain, je suis en vitesse maxi, mais... Mais ça avance pas beaucoup, la vitesse maxi, quand même, hein. C'est pas extraordinaire, tout ça, hein. Voilà, le bateau, il est là, il arrive. On se croirait à Disneyland. Ah, ça y est, on est passé en vitesse rapide, dis donc. Très bien. Elle bug. Ouais, bah ça fait un moment qu'elle bug la vitesse, hein, je crois. C'est pas nouveau. Bon, bah allez, dors, hein. Putain. Il est vraiment temps qu'on se construise au moins une pièce pour mettre un lit, hein. Je pense qu'il va en falloir des sous, mais... Bon, j'attends qu'il passe dans le verre et... Bon, enfin, c'est... Tout est relatif, hein. J'attends qu'il passe dans le verre et puis on va aller peindre un tableau. J'espère que ça va... Alors, je crois que les premiers tableaux rapportent pas beaucoup d'argent, quand même. Hein. Il me semble même que sur les tout premiers, on en perd de l'argent. Ouais, chiant. Et eux, ils pêchent des poissons, eux. Ils sont pas plus mal... Et maintenant, tu fais à manger alors que j'ai déjà dépensé des sous. Ouais, encore une fois. Et on y va. Non, mais quand t'as besoin de bouffer, le premier te fait perdre de la thune. Ah, c'est ça. Magnifique. Magnifique. Comme si j'ai... Non, ben, désolé, j'ai choisi Dina. Voilà. Merci de ne pas me recontacter. Allez, hop, c'est bon, on y va. Direction le musée. Tu perds pas d'argent si tu commences par un petit tableau. Ah, merci du tuyau. Non, un musée. Hop, on va essayer. Tu perds pas d'argent si tu commences par un petit tableau. Donc on va essayer un petit tableau. Moi j'attaquais direct par un grand quoi. Enfin, pas de pitié. Alors il est où? Le chevalet. En haut peut-être. Il est là. Toile classique. Petite toile classique. Allez. Vas-y mon grand, j'ai foi en toi. Réveille le Picasso qui sommeille en toi. Et fais-moi des chefs-d'œuvre. Ah ouais, moi j'attaque toujours par des grands, hein, direct. Hein. Je me dis que c'est ce qui rapporte le plus. Alors. Allez. Ah, dépêche-toi parce qu'il commence déjà à être fatigué là. Voilà, non, vendre. Ah, on perd pas de sous, on n'en gagne pas. Donc, elle a dit après, on fait un moyen.
voir. Hop, il va passer niveau 2. Plus jamais j'achète de pâté croûte, c'est plein de gelée. Bah ouais, tu savais pas? La gelée, c'est dégueulasse. En proportion, ce sont les moins qui rapportent le plus. Ah ouais? Le chien se régale plus que moi. Toi, dis donc qu'il a de la chance, ton chien, toi. Et bonsoir, Headshot. Que tu me diras, moi, j'ai. Ils nous ont filé du pâté de foie qui avait l'air dégueulasse au boulot, je l'ai ramené pour le chat. Bah, elle s'éclate avec, hein. Je fais tellement jamais de petits et de moyens que je découvre des tableaux. C'est trop mignon. Allez, tu le vends. Ah, voilà, ça y est, on s'est fait des sous. Oui, t'as envie de faire pipi. Bah, tu vas peindre encore un petit tableau. Donc, on a dit que les moyens, c'est ce qui rapportait le plus. Ah ouais, ça, c'est pas rentable, ton truc. Valait mieux pas prendre la bromo. Bon, après, ça te fait économiser des croquettes. Allez, un dernier tableau et on va aller aux toilettes. Puis on va peut-être aller voir ce qu'on peut construire déjà. Si on pouvait au moins mettre quatre murs et un lit. Ça va être compliqué là. Il n'y a pas de toilettes là, j'imagine. Bah non. Bon, bah retour à la salle de sport alors. C'était bref mais intense, hein. Ou pas, c'est un labrador, il veut tout le temps bouffer. Ah, j'adore les. Déjà, le pâté de foie, c'est pas génial. Ah, tu veux dire. Bah, ouais, mais bon, il nous donne, tu sais, alors. Si au rez-de-chaussée, bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut que j'aille dormir. Et il y avait un canapé pour dormir? Ah, oh, oui, je crois qu'il y avait un canapé. Ah, bah, si, un canapé. Au rez-de-chaussée, il y a des toilettes. Oui, ils sont là. T'as raison. Utiliser. Et dormir. Et remarque, là, t'as accès au truc, t'avais fait à manger tout à l'heure. Voilà. Allez, allez, va manger. Ouh là là. My God. C'est buffet à volonté, les gars. Regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Haricots saucisses, burger végétarien, fruits grillés ou poulet grillé. Ah, et poulet grillé. Allez, soyons fous. Putain, c'est. C'est profusion, quoi. Ouais, viens manger poulet grillé. On va voir faire péter le bide, quoi. Magnifique. Et après, tu retournes dormir au musée. C'est un superbe canapé magnifique. Et comme il n'y a personne, peut-être que ça va aller vite. Allez, au dodo. Ah, ça va vite. Puis peut-être qu'il restera à manger demain matin. Les joies simples. Oh, une vitesse rapide! Alors. Oh, c'est l'été. Bah, c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut te réveiller, hein. Vas-y, continue, dors. Tiens, alors, puisque tu as besoin de divertissement, t'écouteras tes écouteurs après. Les Sims, même dans la rue, ils sont bien. Tu fais ça IRL, tu te fais soit agresser, soit foutre dehors par la sécurité. C'est clair. Puis t'as pas grand monde qui te laisse son pique-nique sur la table en se barrant quand même, hein. Et fais une sieste de plus. Après, écouteurs, tableau. Et on continue. Donc après, écouteurs. Écouteurs allumés, disco moderne. Et après. Marché aux puces, on s'en fout, on n'a pas de sous. Et puis après, tu vas retourner peindre. Moyenne. Puis les gens, ça les gêne pas. Voilà, donc maintenant que tout le monde a débarqué, on va plus pouvoir pas dormir en vitesse. Ah bah si, on entend bien la musique. Il est content? Ah non, mais tu vas dégager? Présentation amicale. Excuse-moi, madame. Allez.
Allez, mais dégage! Oh, dag dag. Gonfler à bloc, tiens, comme ça elle va dégager. Pour que je pique sa place, non mais oh. Et l'autre, elle arrive, elle crie que c'était la fête. Ouais, mais je vais le jeter, son tableau. Ah ouais, c'est la bonne idée. Allez, hop. Allez, hop. Non. Ouais, vendre. On s'en fout, ça vend du zéro. Allez, hop. Allez. Toi, le classique. Merci. Du tuyau, là, parce que... Rajoute des chevalets. Oh, non, non. Ils vont se barrer. C'est mon musée, c'est mon chevalet, c'est mon truc à moi. C'est que moi. Non mais oh. J'ai un œil qui pleure. Je suis triste. Non bah toi tu t'es dit c'est trop tard. Puis avec tes chaussettes là, bah tu les as enlevées, c'est très bien. Ah c'est pas la même. Pardon, autant pour moi, Jasmine d'or. Je t'ai confondu avec l'autre folle qui mettait des chaussettes dans ses claquettes. Il y a son nom gravé dessus. Mais c'est le musée de crime. Vous avez pas vu à l'entrée? C'est que à moi. Alors, vendre. Toile classique. Toile classique. Toile classique moderne. Oh, j'ai du mal, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, bah voilà. On a réussi. La journée de la nouvelle compétence. On est content. On n'a pas fait exprès, mais on a réussi. Allez. Allez. Je sais pas combien ça coûte de construire. Y a pas de sous là. Je crois que c'est 60 le pan de mur, un truc comme ça, non? Un pan de mur 60. Ouais, donc ça fait 60, 120, 240. Ouais, il faut au moins 500 là. Même plus que ça. Avec 500, je fais un 2 par 2. Ah ouais, non, il faut beaucoup de sous, là. Il faut beaucoup de pognon, continue! Donc une 4 par 4, presque 1000. Ah ouais. En sachant qu'il me faut au moins 3 en longueur pour mettre un lit, plus la porte. Ouais, allez, vas-y. Toile classique, toile classique moyenne. Parce que je peux rien mettre en dehors des murs. Donc, faut déjà que je mette un lit, quoi. Oui, ce serait le minimum, quand même. Au niveau 6, tu peux peindre des toiles classiques de niveau moyen, donc tu peux commencer à faire des grandes toiles. Ok, je suis combien, moi, là? Je suis 4, donc on va attendre un petit peu. Plus la porte à 50, on va dire, 1200 sans les meubles. Ouais! Eh ben, tu vas en peindre des toiles, hein, je te le dis. Hein, ça va en faire des... Mais il va y en avoir des œuvres d'art, hein! Bon, tant qu'il dit rien, on continue. On va retourner manger avant que ça périme. Ça doit être trop tard, je pense. Il est où, le buffet? Ah, tout a disparu! Bon, bah, du coup... Du coup, toilettes. Ils sont là-bas. Utiliser. Il va se faire à manger. Et là, il n'y a personne qui veut venir faire à manger. Oh, une grenouille! Chercher des grenouilles, griller, saucisses au tofu. Du pauvre végétarien, enfin. C'est là-dessus que je suis tombée en premier. Après, tu peux faire une 3 par 3 et tu mets le lit à la verticale contre un mur. Si tu prends le simple, il pourra dormir quand même. Erratum, niveau 4. Ah, bon, on va peindre une grande toile alors. 4 par 4, 960, plus porte 50, 1040. Ah, bon, alors on est bien, on est bien. On est à la moitié déjà. Ouais, plus le lit. Bon. Alors on est bien, c'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu s'avancer comme terme, mais... Mais on va essayer, disons qu'avec... Je vais aller me coucher, je regarderai la suite avec tes replays. Merci, j'ai passé un très bon moment. Bah merci beaucoup à toi d'être venu surtout. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Go sortir ma tablette d'architecte pour les dessiner par... Alors, au niveau des plans, je pense qu'on va partir sur un carré. Hein, je pense que...
On va pas s'emballer tout de suite. Hein, un carré, un toit, une porte et, et encore la fenêtre. Si on peut s'en passer, on n'en mettra pas. Donc, voilà. Ah, 10 Sims 12. Wouhou! Je viens de lire un article qui dit que les Sims 4 a toujours été un bon jeu avec les arguments que je donnerai moi-même. Faut voir les commentaires. Ah merde. Les gens sont... Les gens n'ont pas de goût. Les gens qui n'aiment pas les Sims, ce sont des gens qui n'ont pas de goût. C'est de la jacinthe, là? Muflier, jacinthe. Alors, on va vendre celle-là. Et on va aller ramasser de la jacinthe. Toi et moi, les reines des maisons cubes. Ah bah ça. Lit, douche et WC, ça te va? Nickel. Nickel. Pas besoin de plus. Le carré, c'est la base, et quand t'as pas de sous, c'est magnifique du grand art. Ah bah. Ah bah, ben pourquoi t'as pas mangé les saucisses au tofu que tu viens de te faire? Le lit, tu peux pas le poser sur l'herbe sans mur en attendant. Non, je n'ai pas droit à Xelos. Ça fait partie des règles du Rack to Rich Challenge. Je ne peux rien mettre en dehors de 4 murs. Sinon, j'aurais déjà acheté tout ça, je camperais à la belle étoile, mais je n'ai pas le droit. Tiens, d'ailleurs, si ça intéresse, si ça vous intéresse, je vous remets les règles en lien. Et ça ne marche pas, bien sûr. Bah, je vous remets pas les règles, alors. Parce que mon bouton magique, il marche pas. Merde. Je sais pas pourquoi mon stream deck, il déconne. Bon. J'ai dû bouger un bouton, je pense. Bon, bah, écoute, tu vas continuer à peindre, hein. T'inquiète, je vais aller chercher. Merci, Vassilia. J'ai le bouton, mais mon stream deck, depuis tout à l'heure, refuse de marcher. Donc, c'est chiant. Il est où mon tableau? Qui c'est qui a pas un tableau? Et vous avez raison, je vais mettre plusieurs chevalets parce qu'ils vont me fatiguer tous à peindre sur mes tableaux. Ah, il reste celui-là. Et on va en foutre... Ah, 3 chevaliers, ils vont bien m'en laisser un, non? Et si tu fais une terrasse à 0? Comment ça? Ah, mais il faut quand même 4 murs. Alors, carré 3 par 3. En haut à gauche, le lit. La douche en haut à droite. Braqué vers la porte qui sera en bas sur ta droite et le WC au deuxième carreau braqué vers la droite et voilà, ça fera 1 500 € pour la consultation et 2 500 € pour le plan et les idées. Je prends carte bleue, espèce échec, pas de problème, je t'envoie un PayPal à la fin du live, aucun problème. Mais ils ont une tripotée, sinon ils vont les blinder. Ah oui, ah merde. Tu mets le lien et Naipat il s'énerve. Désolé. Bon, du coup, allez, viens me faire un grand tableau maintenant que tu peux. À peut-être apporter plus de sous parce que là, quand même, ça commence à manquer. Alors, Ah, et puis en plus, après, avant de travailler, il va me falloir plein de fournitures. Je vous raconte même pas. Attention aux factures. Ah oui. Pas grave, vous avez le lien. Tant pis si je me fais taper sur les doigts. Ouais, désolé, le Nightbot, il est susceptible. Attention aux factures. Ouais, il va falloir faire gaffe aux factures, quand même. Parce que bon... On va pas pouvoir travailler avant un moment, les gars. Hein, parce que quand je vois tout ce qu'il faut mettre dans la maison avant de pouvoir bosser... C'est pas gagné. Il va en peindre, hein, des choses.